dans les PC, le dimanche demeure un jour sacré selon la prescription des Saintes Écritures et surtout doit être consacré à louer Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Nous parlerons d'un élément du programme liturgique qui semble ne pas être pris très au sérieux dans nos pratiques quotidiennes. Il s'agit du chant et de la louange. Nous nous référons dans deux livres de la Constitution de l'EPC, le livre du gouvernement en son chapitre 7, article 18, alinéa 2, et le guide liturgique, chapitre 4, des articles 12 à 15. Il demeure important que tous les chrétiens doivent louer Dieu avec des chants et des louanges. Il est donc important que chaque fidèle doit avoir un recueil de cantiques lors des cultes. Pour ceux de nos frères et sœurs qui ont les charges de responsables de chorale, de maîtres de chœur ou de cantateurs pour certains, ils doivent noter que ce travail doit être exécuté avec beaucoup de sérieux. Le service de chant et de louange fait partie intégrante des éléments du programme liturgique dans nos cultes. À ce titre, il doit donc être pris au sérieux. Dans le livre du gouvernement, en son chapitre 7, des ordonnances de l'Église, article 18, alinéa 2 que nous avons cité, il est bien indiqué les chants et les louanges. Dans le guide liturgique, chapitre 4, il demeure clairement que le moment de chant et de louange ne saurait être un temps de désordre pendant les cultes ou encore moins des distractions. Le pasteur a toutes les compétences juridiques à coordonner ce service aussi sur son timing que sur le plan exécutoire. Constitue une articulation importante dans l'exécution du programme liturgique lors de nos cultes. Nous devons prendre très au sérieux ce service car il est destiné à glorifier Dieu et son Fils Jésus-Christ. Votre fidélité nous honore, à parlons-en. Aïe, 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 aïe.